Bonsoir à tous, nous sommes le 1er octobre 2014, il est 21h37 et il y a quelques minutes, à 21h29, j'ai trouvé mon 150e Shiny et je suis vraiment très très heureuse parce que c'est sur ma cible que je viens de tomber. Belle petite Ténéfix chromatique est apparue devant mes yeux, elle est vraiment magnifique. Pouah, je m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment un truc de fou, ce Shiny est vraiment trop beau. En plus là, bon là, il y a des traits un peu bizarres sur la vidéo, donc vous voyez pas trop bien, mais le fond est orangé. Je suis en fin de journée sur la console, l'heure est un petit peu décalée par rapport à l'heure réelle. Et là, le shiny ressort pas du tout, pas bien du tout sur ce fond là, mais franchement, il est trop belle. Franchement, le fond lui va parfaitement, même si on la voit pas très bien. Au moins, ça se confond un peu dans la masse. On peut dire qu'elle est arrivée à la bonne heure. Elle a voulu essayer de se masquer. Enfin, je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est trop belle. Normalement, donc, elle a rien de dangereux puisque j'ai regardé. Donc, elle est niveau 15, c'est une femelle. En ce qui concerne la recherche, j'étais donc sur ma version Hot Gold. C'est la version sur laquelle j'ai eu OO dernièrement. Le chiffre, c'est 7236, je crois, de mémoire, parce que j'ai regardé assez rapidement. Et donc, je suis sur la route 9, je crois, de Kanto. Vous pouvez faire la recherche en troupeau avec 40% de Ténéfix. Donc, moi, ce que j'ai fait, en plus de mettre le troupeau Ténéfix, c'est que je faisais la recherche le matin, je crois, par rapport aux éventuels indésirables, c'était plus avantageux pour moi. Et j'ai fait la recherche au repousse niveau 14. Bon, ça augmentait un petit peu le niveau le pourcentage des Ténéfix. J'arrivais à peu près à 47%, donc c'est quand même pas négligeable. Ça m'a permis d'optimiser cette recherche pour tomber vraiment sur elle, enfin sur lui, sur ce Pokémon là, et donc je suis très contente que ça ait marché du premier coup en plus, donc c'est super. Alors maintenant, je vais pas réfléchir à la bolle, mais il va falloir le faire parce que c'est quand même un shiny assez original, il y a des couleurs très particulières, donc il n'y a pas n'importe quelle bolle qui peut l'aller. Je pense que la Febo est pas mal sur cette version, mais sur la 6G je sais pas trop ce que ça donne, mais Febo Ball. Je vais essayer de regarder rapidement pour pas perdre trop de temps. Febo Ball. Feble Ball. Feble Ball. Ouais, j'ai juste le sprite 4G en fait. C'est tout. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sinon, la Speedball qui est pas mal. Et j'ai pas beaucoup de shiny là-dessus. Bien qu'elle ait du orange, mais elle a du jaune aussi, ça irait bien. Ouais, sinon il y a la Niveau Ball, je crois que j'ai pas beaucoup de shiny. Je crois que j'aime beaucoup la shiny hasard là-dessus. La Niveau Ball est pas mal parce qu'elle est un peu marron orangé. Donc, je vais tenter la Niveau Ball. C'est une bolle assez originale par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Sinon après il y a la Lune Ball aussi. Allez, la Niveau Ball. C'est cool. On essaye. On essaye la Niveau Ball. Oh yeah. Oh, les étoiles. Trop belle. Je vais voir si on voit mieux comme ça. Voilà, on voit mieux ses couleurs quand même. Bon, il risque de tuer Vital, mais c'est pas très grave. Elle ressort direct. Waouh, l'attaque ténèbres.
À la vitale résiste de très peu. J'ai envie de tenter la lune molle, je sais pas pourquoi. Ouais, je tente la lune molle. Elle est sympa, c'est bon. Un peu la cam, ce sera plus stable pour moi, même si on voit moins bien de shiny, c'est pas grave. Du coup je continue à la lune ball parce que je trouve que finalement elle est belle. Elle rentre pas tout de suite cette coquille. Bon là elle va tuer Vitel, hein, c'est évident. Oui, je veux utiliser un autre Pokémon. Et je vais utiliser. Bon, je vais utiliser la Pikachu Shiny. Radar. Premier Shiny Radar. Et je vais la paralyser. Résistance, trop drôle. Elle est vraiment trop belle. C'est un beau 150e shiny, je suis trop contente. J'espérais vraiment tomber sur lui parce que c'est un des rares là en ce moment dans les chasses que je fais, c'est un des rares où je peux avoir des indésirables. Donc j'espérais vraiment vraiment tomber sur lui. Parce qu'il y avait du ratatac. Mon colossal, je m'aurais pas dérangé du tout. Mais bon, après, c'est plus risqué de refaire la recherche en ayant un indésirable. Donc, très très contente d'avoir trouvé ce petit shiny. Bon, pour l'instant, elle refuse de rentrer dans toutes les bols. Pas encore d'idée de surnom pour l'instant, mais je vais y réfléchir sérieusement. Ah, yes! Wouh! Trop bien. Trop cool. C'est génial! Oh yeah! Vous avez vu cette couleur marron? Ça, c'est de la couleur trop cool. Donc ce Pokémon vit dans les grottes obscures et mange des gemmes qu'il déterre avec ses griffes acérées. Je vais lui donner un truc vite fait, mais je pense que je changerai plus tard. Bon, je vais l'appeler Ombre pour l'instant. Allez, sauvegarde. Oui, je veux sauvegarder. Allez, sauvegarde. Alors, ce qui est cool aussi, c'est que sur cette version, j'ai prévu de faire quelques troupeaux, notamment Reliquant, qui est un magnifique shiny. Et donc, j'aimerais bien faire Reliquant. Et je sais plus quel autre Pokémon j'avais en tête. Bref, donc cette version, je vais continuer à faire des troupeaux dessus. Elle va me servir à ça. Alors, j'ai pas le shiny sur moi. Donc on va voler au premier centre Pokémon. Thank you.
Oh non, 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 pas résumé. Je veux pas faire un résumé. Bon, j'ai vu sa nature, c'est pas grave. Tac. Bon, puisqu'on s'est à moitié spoilé, on va faire le résumé. Et on a vu donc qu'elle était foufou. Oh yeah. Trop belle. Elle est trop trop belle. Ah, c'est cool. Je suis trop contente. J'avais chassé son opposé sur la version Ruby, donc j'avais chassé Miss Dibule. Et j'avais obtenu plus tard. J'avais fait Galekid Miss Dibule au repousse en appuyant sur la touche B, c'était assez infernal. J'avais fait plus de 9000 rencontres comme ça, j'avais fini par tomber sur Miss Dibule, et j'étais persuadée de tomber sur elle d'ailleurs. Alors que je recherchais à l'époque Galekid. Et pour le coup, après j'ai fait Galekid sur 5G. Avec Manier Piège. Ah non, je vais pas prendre la bicyclette parce que je veux regarder Tenefix. Et du coup, je m'étais dit que c'était maintenant très difficile de faire Tenefix sur 3G, donc c'est une bonne idée de le faire au troupeau, je suis contente. Donc, hop, c'est parti, on va faire péter ces étoiles. Contre un shitty four. Pah, somptueux. Elle est trop belle. Avec ses petites gemmes derrière lui. Aïe aïe aïe. Elle est magnifique. Oh, et puis ce cri est vraiment sympa, vraiment sympa. Yes, trop cool. Et oui, ce Pokémon, à part sur 6G où il craint les Pokémon fées, ben, ne craint pas grand chose. Donc, c'est un Pokémon au niveau du double type assez original, assez intéressant. Et c'est ce que j'aime bien aussi chez lui. Donc, voilà, très très contente vraiment de l'avoir trouvé. C'est génial. Voilà, bah je vais vous quitter sur ces petites images de la petite shiny Tenefix. Elle est vraiment magnifique. Voilà, c'est un shiny trop beau. Je vous encourage tous à la chasser si vous aimez bien ce shiny là. Moi j'ai craqué en voyant son sprite sur 6G quand les versions XY sont sorties, et je m'étais dit bah voilà, nouveau shiny à chasser. Et quand j'ai découvert qu'il allait méga évoluer, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, il faut que je réunisse le duo avec Miss Dibule. Il n'y a pas moyen. Donc j'ai pris la décision et voilà. Je suis vraiment contente. Bah, la date ne correspond pas par contre. Je sais pas pourquoi. C'est par rapport au troupeau, peut-être que la date était en décalé. Bon, tant pis, c'est pas grave. J'arrangerai ça sur 5G, je mettrai au 1er octobre. Voilà. Premier jour du mois d'octobre, premier jour et 150e shiny. C'est cool, je suis contente. Je vous dis à tous à bientôt et chassez bien. Ciao !